On est là pour parler du cinéma israélien. C'est la 23e édition aujourd'hui. Merci beaucoup. Cinéma israélien pour beaucoup engagé. Et la preuve, à l'heure où certains veulent nous faire croire le contraire, qu'Israël est une grande démocratie. Je suis né en Israël. Je suis revenu en France quand j'étais encore bébé. Ma langue maternelle est le français. Mais je reste très, très, très attaché à ce pays. Alors à chaque fois que quelqu'un établit un pont entre la France et Israël, je veux le remercier du fond du cœur. On va passer au long métrage qui a pas mal tourné, Sophie. Oui. C'est Karaoké de Moshe Rosenthal. Karaoké, comme on dit en hébreu. Et Karaoké, c'est avec deux stars, Sasson Gabay et Lior Ashkenazi. Des acteurs fabuleux, les trois là ils sont fantastiques. L'histoire est voilà, c'est vraiment original. Il y a deux mondes qui s'opposent et en même temps c'est drôle. Franchement ça m'a et c'est presque émouvant parce qu'il y a cet amour entre ces deux êtres un peu retrouvés comme ça sur fond de société israélienne, de clivage, de difficultés. Donc j'ai trouvé ça émouvant. Ouais, j'ai adoré le film et alors c'est très très bien joué là. Le personnage principal et sa femme, tous les deux, et la femme, elle est extraordinaire. Tous les ans, ce festival, à mon avis, sauve l'image d'Israël. Et merci de le faire et de participer.